Hello! Depuis hier, on est arrivé sur cette petite île, Guilimeno, un petit coin de paradis. Une des raisons pour laquelle on est venu ici, c'est parce qu'on peut y voir des tortues en faisant du snorkeling. Donc c'est la mission de ce matin, après l'échec d'hier après-midi où on n'en a pas vu. Ce matin, on a de grands espoirs, les tortues. C'est pour maintenant. C'est parti! On est quel jour? Jeudi. On est où? On est à Guilimeno. Et on est bien? Très bien. C'est le plus beau coucher de soleil de ta vie? Je sais pas, mais il est top. On va manger une pizza? Si on trouve. C'est parti. Aujourd'hui, pendant que moi je bouquine, il y en a un qui s'exerce au surf. Je vous montre ça. Je pense qu'il est au centre. Par là. Attention. Youhou ! Il est debout. Hello ! Après nos 3-4 jours passés à Kuta Lombok où on n'en a pas du tout profité pour visiter Lombok en soi, juste initié au surf, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup filmé non plus. Là, hier, on est revenu sur l'île de Bali, on essaie de se rendre à Nusa Penida. Ça s'avère un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, puisque le ferry est annulé aujourd'hui à cause de la météo. On devrait réussir à le faire quand même en prenant un fast boat. Je pense que ça va être assez mythique cette traversée, mais bon, on va voir comment ça va se passer en espérant qu'on arrive en chair et en os. On se voit là-bas. On est finalement arrivé à Nusa Penida, un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait, parce que finalement on s'est rendu compte que ce matin on nous avait tout simplement menti, le ferry passait bien. Heureusement on est tombé sur quelqu'un d'hyper sympa qui nous a redonné l'argent qu'on avait pris pour le fast boat, qui nous a emmené prendre le ticket pour le ferry, etc. Bref, ça nous a coûté quasiment 10 fois moins cher. Et on est arrivé, on est dans notre super cottage et on va pouvoir profiter et découvrir de cette nouvelle île. C'est parti! Hello, nous voilà partis à la découverte de Nusa Penida. Pour moi, quand on parle d'Indonésie, c'est ça, des falaises, des plages magnifiques, une route chaotique pour y arriver, faut le mériter, et c'est magnifique. J'espère que t'es bien prêt, parce que là, ça va envoyer du lourd. C'est parti.